c'est au gouvernement et à la représentation nationale, c'est-à-dire aux députés. On s'est adressé à tous les députés pour que la loi soit changée et que les personnels actuellement en poste puissent rester sur leur lieu de travail, puissent avoir renouvellement de leur contrat. Ça représente des milliers et des milliers de salariés qui ont un statut précaire dans l'éducation nationale, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas, et ça correspond aujourd'hui à une volonté de remise en cause du statut de la fonction publique. C'est pour ça qu'au niveau de Force ouvrière, nous demandons à ce qu'il y ait création de postes statutaires de la fonction publique et que ces personnels aient un vrai travail, un vrai contrat et un vrai salaire, parce qu'il faut bien oublier que ce sont des personnels qui touchent 800 euros maximum.